Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Prehistoric Kingdom, le dernier enclos. Mais, je n'ai plus mon parc. Je n'ai plus mon parc, les amis. Donc, on va faire. Oui, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai voulu. J'ai dû faire un reboot PC. Hein. Et pourquoi ça dézoome pas? Je ne sais pas. J'ai dû faire un reboot PC et du coup, je me suis retrouvée sans parc. Je pensais que c'était comme les. Un peu comme les Jurassic World et tout, que ça aurait sauvegardé dans le cloud de Steam. Non? J'avais regardé quand même avant dans les fichiers locaux s'il y avait un endroit où il y avait un dossier saved. Il n'y en avait pas. En tous les cas, il tourne en full epic cette fois-ci, hein, sans problème. Sauf qu'on n'a plus de parc. Donc, ce qu'on va faire, les copains, pour tous ceux qui ont loupé et qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à aller voir le parc en entier que j'ai fait dans toute une playlist. Il y avait des enclos à mammouth et des enclos enneigés qui étaient sous verre. Je m'étais embêtée à faire des trucs assez sympas, des enclos sous terre aussi. N'hésitez pas à aller voir un petit peu le parc avant. Parce que, en fait, le parc, le thème était le volcan. Le volcan, justement, des Rex, ça donnait sur plusieurs enclos. Il y avait des éclats de météorites, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir la playlist en entier pour tous ceux qui voudraient voir un petit peu le parc. Là, vous tombez sur l'épisode final. Et l'épisode final, c'était l'enclos des Rex que je vais faire. Je vais recréer un petit peu ce que j'avais fait, c'est-à-dire que je vais faire de la flotte autour. C'était censé. Mon parc était une île, en fait. Et le volcan allait se jeter dans la mer, donc on va refaire ça vite fait, sans faire les enclos bien sûr autour. Hein. Je vous invite à aller regarder la playlist, n'hésitez pas. Voilà, je refais ça vite fait les copains, je vous reprends dès que c'est prêt pour faire l'enclos des T-Rex. Ok, re les copains, donc, pardon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis dit que j'allais refaire à peu près mon parc. C'est-à-dire que je n'ai fait zéro déco quasiment. J'ai remis quelques espèces qui étaient déjà dans le parc. N'hésitez pas, ce n'était pas du tout ces enclos-là. Ils étaient beaucoup mieux faits. Là, c'est vraiment des enclos faits à l'arrache. Donc, on avait les Camaras à l'entrée, avec les Brachiosaures à l'entrée, les Triceratops, etc. ici dans un marécage, qui était bien mieux fait que ça. Ça, c'est pas un marécage. Là, j'ai pas refait parce qu'il y avait les mammouths enfermés dans les cages en verre. Pareil pour les smilodons, pareil pour les rhinos, etc. Là, j'ai rien fait en fait. Hein. J'ai juste refait un peu la zone. Là, normalement, il y avait les parasaures et tout ça. J'ai fait la zone à comment? Edmontosaure et tout ça ici, avec la lave. Alors, la lave, on la voit la nuit normalement, si tout va bien. Voilà. Ça, c'est de la lave qui a coulé en fait ici. Alors, il faut savoir que le parc était vraiment tout éclairé la nuit. Il y avait un pont. Là, par-dessus. Il était tout éclairé et tout, donc je m'étais vraiment embêtée à éclairer toutes les. De partout, en fait, tous les enclos et aussi toutes les rues. Bref, j'ai refait le volcan, donc on va le faire aujourd'hui. J'ai refait vite fait le dernier enclos des Torvosaurus qu'on avait fait à côté des Rex, histoire que ça donne un contexte quand même à notre volcan, malgré que ça ressemble plus du tout à ça. Hein. Les pauvres Argentinosaures n'avaient pas cet enclos-là. Ils sont tous bloqués là. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir la série. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur les Rex et donc sur ce volcan qui de base partait dans la mer. Enfin, je voulais qu'il parte dans la mer, enfin que ça parte un peu et qu'il soit toujours un peu en éruption. Enfin, essayer de faire un truc un peu sympa. On va tenter ça ensemble, les copains. J'ai commencé aussi à faire, voilà, en fait, ça suit le truc. Donc là, ça s'est écoulé. C'est bien plus petit qu'avant. Pareil ici, la lave s'est écoulée là-dedans. Elle a cassé les arbres au passage. J'ai quand même remis les arbres pour commencer l'enclos des Rex. Voilà. Bon, je me suis bien embêtée quand même, hein, parce que j'ai refait toutes les côtes et tout ça. Mais ça allait plus rapidement du coup, vu que le PC avait moins de soucis, mais quand même, hein. Donc, le volcan, comment on s'y prend? Comment on s'y prend pour nos Rex, sachant que déjà il faut faire un trou, hein, cela n'est même pas refait. On va déjà faire ça. Hop. Ah non, je veux le finir ce parc. J'ai quand même pris du temps pour le faire. C'est la première fois que je m'investis autant, on va dire, dans une création de parc.
soit même sur Planet Zoo et tout, j'ai jamais eu le temps de finir mes parties. Donc là, je voulais le faire et le faire bien. On va essayer de le faire et le faire bien jusqu'au bout, malgré ce petit pépin. Hop. Non. Non, là, ça va pas. Désolée, mais non. Là, tu remontes. Ça va pas. À la limite, que ça fasse ça du côté de la mer, ça m'aurait pas dérangé. Remonte, remonte. Hein. Remonte. Ah, ça fait bien comme ça. Hein. Ça fait sympa. Ça fait sympa. Là. Hop. Maximum. Maximum sans tout casser. Ok. Ah ouais, si, si, j'aime bien. J'aime bien la forme du truc, du coup. Donc, il faut penser au coulé. Bon, ça, c'est pas gênant. On va du coup refaire. L'idée que j'avais faite avec mes Edmontosaures et tout ça, c'est-à-dire. Ouais, on va faire ça. C'est-à-dire prendre des lumières. Le son est bon. Alors des fois que je sois mutée, hein, ça m'arrive souvent. Les lumières, hop. Celle-ci. Bon, en plus, elle est de la bonne couleur pour le coup. Je crois. J'espère. Attends, attends, je veux te voir. Je ne peux pas être plus grande que ça. Si je te pose, je te reprends. Ah, voilà. Ça, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Voilà. Ça dépasse pas. Hein. Je pense pas. Ah, si. Non! Limite, ce que je peux faire, c'est décaler comme ça. Hein. Voilà. Comme ça, on est sûr. Hop, là on est bon. Ça, c'est de la lave. Ça, c'est de la lave. Ça y ressemble pas du tout, je sais bien, mais c'est de la lave qui est toujours du coup en éruption. Enfin, qui est toujours là, hein, pour l'instant. Il va falloir qu'on fasse suivre les coulées, en gros. Alors, ça va être compliqué. Compliqué parce que je veux pas non plus que ça soit des longues coulées de lave, faut que ça s'arrête à un endroit, genre dans un trou un petit peu avant. Bah, vous allez voir. De toute façon, je vais vous le faire en accéléré par moment. On se reprendra de temps en temps pour discuter, bien sûr, de ce que je suis en train de faire. Là, on va faire un petit trou. Hein? On comprend l'idée. Vous avez compris l'idée quand même, voilà. Histoire de donner du relief au truc. Et le fait que la lave se soit écoulée de quelque part quand même. Ouais, c'est quand il est monté, hein. Là le volcan il est plus en. Il est en activité par moment, mais pas tout le temps. C'est assez rare. C'est assez rare quand même, heureusement pour nos dinosaures. Hein. Parce que bon. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Thank you.
Ok. Bah, le plus dur a été fait, on va dire. Enfin, le plus dur, non. Mais déjà, ça, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On va du coup faire alors un petit, enfin des trous, histoire que ce soit normal que la lave se soit arrêtée ici, genre ici. Ah bah tiens, en plus elle tombe dedans. Hop, cool, cool. Hop. Là. Ça, c'est un trou de lave. Ok. Pareil pour là à peu près. Hop, ça a creusé un peu. Là, tu remontes. Là, c'est vraiment quand elle déborde qu'elle peut passer là, en fait. Ok. La même par là. Alors là. Pas trop là. Voilà. Je vais pas trop creuser. Non, mais me creuse pas le haut, hein, c'était le bas, mais ok. Le truc c'est que là, ça m'a pété mon machin. Ça voudra plus le remettre, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Non, je veux pas que là, ça soit moche comme ça. Voilà. À peu près, hein. Voilà. Pas du tout. Ça m'a fait. Pourquoi ça a fait ça? C'est moche. Des fois, le jeu, hein, je le comprends pas. Hein. On lui a rien demandé, mais bon. Voilà. Et puis du coup, ça m'a caché toute ma lave là. Ok. Très bien, très bien, très bien. Je vais la retrouver. En faisant ça, quoi. Je vais la retrouver. Voilà. Ah là. Saleté. Saleté. Et là, pareil. Allez, il a déjà fait le trou, en fait. Quasiment. C'est ici. C'est ici le trou. Voilà, et là pareil, il faudrait juste relever un peu. Histoire que ça passe pas. Bah, faut vraiment. Bah là pour passer, il faut vraiment qu'elle y aille. Ok. Donc pareil, on va remettre de la lave en bas maintenant. Est-ce que je reprends les mêmes? J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Dire pourquoi pas, mais je les vois pas donc non. On va reprendre le rond, il est très bien, il se pose bien. Hop, le rond, il est très bien. Quand il veut bien, je crois que je peux le remodifier après. Ok. Il me duplique ça. Ici. Voilà. Ça va être stylé en vrai. Le lac de lave. Enfin, ils en ont plein du coup. Hein. Ils ont des lacs de lave. Il va falloir qu'ils fassent gaffe à leurs pattes. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est dommage que de loin, par contre, faut vraiment être prêt pour y voir. On va placer du coup des rochers maintenant. Rochers. Alors est-ce que je prends des rochers? Oui. Mais est-ce que je les prends si on commence là? Faudrait que je remette le jour. Voilà, qu'on voit un peu mieux. Alors le jour c'est très moche, oui. Ça ressemble à rien. C'est pas grave. C'est normal, les amis, c'est normal. Ok. Ça me va. Pied. Pardon. Pardon, mais pousse-toi, toi.
Oui, je me bats avec un rocher, oui. Va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Oh, mon pote, il était chiant placé celui-là. Il est pas encore placé, mais. Alors, non. Là, je vais pas m'embêter, je vais faire ça. C'est juste un effet en fait que la lave a un peu séché à force de rester stagnante. Voyez le truc ou pas? Mais oui, vous voyez. Vous voyez très bien de quoi je parle. Par contre, c'est quelle couleur du coup? Noir? Pas du tout. Ils sont quelle couleur ceux-là? On peut copier? C'est bien de pouvoir les entendre en arrière-plan quand même, hein, malgré. Ils m'auraient manqué sinon. Je sais pas qui on entend d'ailleurs. Peut-être les torvaux trucs. Ah, faites gaffe, hein. Il y a de la lave pas loin. Alors après, de toute façon, on va faire un peu le même style qu'on avait fait pour les autres, c'est-à-dire des météorites, hein. Enfin, des météorites. Des trucs qui ont volé du volcan, des bouts de cailloux, des bouts de lave. Qui auraient volé du volcan et qui auraient. J'avais rien mis là. D'accord. Ok, ça me va. Que j'oublie rien surtout. Celui-là, il est fait. Je crois qu'ils sont tous faits, ça y est. Ok. Bon. Alors, comment on fait? On va colorer. Bah non, les chemins là, oui, mais pas. Ça, c'est la cendre, en fait, hein, au cas où. Bon, normalement, ça va bien plus loin que ça, mais. Après, la vie a repoussé, quoi. C'est toujours pareil, hein. Il va falloir faire une forêt cramée là en bas. Mettre quelques arbres dedans qui sont restés vivants. Faire quelques trous. Ouais, il y a des trucs à faire. Ouais, disons que c'est à force, c'est le petit nuage de cendre qui nous fait, ce qu'il n'est pas vraiment actif, actif. Hein. Il y a des moments où il jette des cailloux, mais. Je le connais bien ce volcan-là. Je vous l'ai dit. Alors. Du coup, ça serait pas mal quand même. Il a fait péter un truc ici. Plus en général, près du volcan, il n'y a pas tellement de d'éclats, quoi. C'est plus loin que ça jette. Mais bon, c'est un jeu, hein. C'est un jeu vidéo, les copains.
Ok, on va enfin pouvoir mettre les effets cette fois-ci. Bon, hop. Les effets, alors, ce que je voulais mettre. Il y a déjà de la fumée. C'est sur play là? Elle est où? Où êtes-vous? Attendez, je sais pas où il me la fout. Voilà, parce qu'il faut que je voie la taille du truc. Hop. C'est tout? Triste. Triste d'en arriver là. Pas la grossir plus que ça. Genre. Mais qu'est-ce que je touche là en fait? Ça se trouve, c'est pas le bon truc. D'accord. C'était le bon truc ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que je veux. Ok, bon, je peux pas toucher à ce truc. On va l'enlever de là. Voilà. Non, 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 non. Hop. Ok. Je vais le faire ailleurs. Non, parce que je sais pas pourquoi il me le fout dans le groupe là-bas. Tiens-toi, tu veux pas de la fumée un peu? Ça lag, hein. Ça lag, hein. Plus on fait de choses, plus ça lag. Ah, hop. On va la toucher de là. Genre, on peut pas la. Bah, je vais en mettre plein. Hein. Ah, désolé, du coup, je te fous la paix. Ok. Ça lag. Après, c'est le dernier enclos, les copains. Alors, ouais, mais du coup. Le truc, c'est que là, quand je la pose, je la vois pas. Alors. Je voulais la mettre là-dedans, moi. Je peux? Non, pas. Le truc, c'est que. Attendez. Tant qu'on la voit, elle a bugué, mais tant qu'on la voit, on peut peut-être la déplacer. Et la foutre où on veut, quoi. Non plus. Ah si. Un peu. Assez léger en vrai. Hein. On est où? C'est léger parce qu'on est dessous ou... J'arriverai pas à savoir. Et je vais essayer de la placer comme ça, si on peut. J'arrive même pas à la placer. Hop, on en place plein. Hop. Je sais pas du tout où je la place, c'est un peu chiant. En tout cas, ça fume. C'est l'effet escompté, on dira. Ça y est, enfin terminé. L'enclos est terminé. Bon, là, de loin, ça donne pas grand-chose. C'est vrai que la fumée, elle est bizarre, mais bon, ça, c'est pas de ma faute. Où est le truc? Oui, je l'avais posé là. On va faire du coup les Rex. Tyrannosaures. Ah, ils sont tellement stylés. Alors, les poilus, non. Lui, avec sa crête, il est bizarre. Alors, lui, il est tellement beau. Un mâle. Une femelle. À pas en faire un poilu, non.
Et lui, il est pas mal aussi. Mâle, femelle. Cool. Cool. Quand vous allez voir l'enclos la nuit, j'ai réussi à faire que la lave ressorte la nuit. Enfin, vous allez voir. C'est bizarre de voir le parc comme ça. N'hésitez pas, comme je disais, à aller voir les vidéos précédentes pour ceux qui tombent sur celle-ci. On va attendre qu'ils soient prêts et on va les placer. Alors, l'enclos de jour, ça donne ça, quoi, du coup. Du coup, bah voilà, il y a quelques arbres qui ont repoussé. Il y en a beaucoup qui ont cramé avec les éruptions volcaniques. Ils ont de la bouffe ici, de la bouffe là. Les trous de lave. Là, on voit pas que c'est de la lave, mais c'est de la lave. Qu'est-ce que. On fait quand même un petit tour. Qui c'est qui fait du bruit comme ça? C'est les machins, les. Je sais plus quoi. Donc voilà, donc là, il y a de la forêt un peu partout autour. Hein, en fait, jusqu'à la cendre, elle n'a pas poussé. J'ai mis de la terre à des endroits pour que justement ça fasse comme si elle avait repoussé sur la terre et pas sur la cendre. Donc elle a repoussé, enfin les arbres sont restés sur la terre. Voilà, ils ont des coins pour boire. Je pense qu'ils sont prêts, on va les regarder ensemble. Alors, mes petits Rex. Déjà, toi, je te mets là. On va mettre pause. Hop. Mâle femelle. Et on va mettre un mâle et une femelle là. C'est parti, on va les regarder. There it is, the one and only king of the tyrant lizards. Tyrannosaurus is as big as the movies, and yet somehow even scarier. T-Rex has the most Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il va se rebouffer? Land animal on the planet. Je crois que j'ai mal fermé l'enclos. Jaws weren't threatening enough. You know it could swallow you and me both in one go. Il peut nous manger tous les lui et nous en même temps. Très bien. Ils sont tellement beaux. Un petit cri. Bon, je n'attendais pas moins. Je n'attendais pas moins d'un T-Rex. Tellement beau. Par contre, les autres qui viennent dans leur enclos, ça va pas être terrible. Fais voir toi, pourquoi tu cours? Magnifique. Juste magnifique, quoi. Ah oui, bah vous le voyez, hein, mais bon. Tu vas où? Compte aller où, lui, comme ça? Il est rapide, hein, mais jamais tu grimpes le volcan, hein, il est immense, hein. Tu vas te cramer là-haut, fais gaffe, hein. Et toi? Qu'est-ce tu... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais comment ils sont rentrés, eux? Non, non, mais il a rien à faire là, lui. Oui, monsieur, mais c'est pas le problème. C'est qu'ils ont rien à faire là, quoi. Acrocanthosaurus, Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Mais le jeu a bugué. Ils m'ont sorti tous mes dés. Mais ils mangent chez les Rex! Oh, ça va que c'est la dernière vidéo, hein. Oui, bah écoute. Rentre chez toi, je sais plus où vous êtes de base. C'est pas chez lui là-bas, c'est pas grave. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut avoir que nos T-Rex en fait? Parce que vous. Vous non, quoi. Je vais vous détruire, hein. Hop, je vous détruis. Rien à foutre là. Ah non, mais à un moment, il faut être aussi de temps en temps un peu radical. Fasciné. Fasciné par les règles. Oh, puis leur cri. Crie un coup, toi. Bon, on va dormir. Il. Bon, il a le droit aussi. Hein. Bon, alors qu'est-ce que ça donne de nuit cet enclos, les copains? Bah ben, attendez. Ça n'est pas pressé non plus. Tellement stylé. C'est tellement stylé. En fait, avec les lumières rouges, bon, on n'avait pas spécialement besoin de lave, mais. Alors, regardez de plus près hein, l'enclos. Donc, voilà ce que ça donne. La lave va se mettre. Pourquoi lui, il est en blanc? On ne sait pas. On va le remettre en rouge. Il y a tout qui a bugué. Hein. Tout à l'heure, je me suis retrouvée avec. Tu es censé être rouge. Hein. Bon, n'hésite pas.
Reste en blanc. Et du coup, j'ai cru que j'avais perdu la sauvegarde. J'ai dit, oh non, pas maintenant, quoi. Oh. Ah non, mais c'est tellement stylé. Attendez, enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Ah bah non, t'étais stylé, marche pas sur ta bouffe. Et toi? Mais qui c'est? Mais toi, va-t'en. Hop, désolé, disparition. C'est juste trop stylé, quoi. Le volcan au Rex. Là, il crie un coup, je prends un screen. Je vous le dis. M'étonnerait qu'il ait envie de bouger parce qu'il est sur la bouffe, il protège. Voilà. Hein? While your favorite dinosaur movie might have depicted the T-Rex with rather poor vision, brain scans have revealed that its vision rivaled that of modern birds of Je sais prey. pas ce qu'il me raconte ici. Oh bah fatigue hein. Il y en a croquante derrière, tu feras gaffe. On va le tuer. Oh, non, j'ai tué le Rex. Bon, tu feras gaffe. Ok. Ils sont où nos T-Rex là? C'est qui ça? Ah voilà. Ça suffit maintenant. Ils vont me foutre un brachiosaure dans 2 secondes. Bon bah voilà. Enclos terminé, il y a un peu tout le monde dedans, mais en même temps, c'est la fin du parc. Hein. Disparition quand même. Mais c'est la fin du parc. Mais ils reviennent! Ils sont légion, les machins. Et donc, ouais, on fait le tour, du coup, malgré ces intrus. Hop. Donc, ça rend quand même pas mal. Hein. Avec la lave qui bout, là. Hop. Et de haut, je vais pas réussir à grimper. C'est trop, c'est trop, c'est trop. De haut, ça donne ça. Et de loin, ça donne. En fait, avec la lave, ça donne ça. Et de loin, ça donne ça. Quoi. On dirait un peu un volcan bah, bouillonnant. C'est quand même stylé. Hein. Je sais pas pourquoi le E est plus en rouge, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et puis le jeu a décidé que non. Et en pleine nuit totale. Ah ouais, si, si. Eh ben moi j'aime bien. J'aime beaucoup, quoi. Bah là, si les gens ils sont pas attirés par ça de loin, vous êtes dans le parc. Bon, normalement, c'est éclairé quand même, hein. Mais vous voyez de la lave et tout. Vous dites, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Hop. Et vous venez là. Ah, vous venez pas là, hein. Vous venez là plutôt. Hein, parce que sinon, vous allez être bouffé. Plutôt stylé. Hein. Il y a un Rex qui est tombé dans la lave. Non, c'est un accro, ça va. Cramra ou je sais pas quoi. C'est pas un accro, c'est encore un autre. C'est plutôt stylé en vrai. Ben voilà. Ben écoutez. Il nous reste des Rex là-dedans? Torvosaurus. Torvosaurus. Je sais pas d'où ils sortent. Ok. Bah dites-moi quand même ce que. J'en peux plus de. C'est quoi? C'est pas un Rex. Dites-moi quand même ce que vous en pensez. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté et avoir certains avantages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. C'est les prix les moins chers. J'ai mis les prix les moins chers pour que tout le monde puisse participer. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que la chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de liker, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tous les commentaires. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao!